À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission de choix Télégénie 2018. Et là, ce soir, vous avez droit à un nouveau match. L'institution Saint-Louis de Gonzague et le collège Catherine Flon vont s'affronter sur le plateau de la télévision nationale d'Haïti pour la gloire et pour l'honneur. Déjà des applaudissements pour ces deux établissements scolaires, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, nous allons entonner l'hymne national de la République d'Haïti, la Dessalinienne. Merci d'adopter la position verticale. Merci. Et là, nous faisons appel aux deux capitaines, le capitaine du collège Catherine Flon et le capitaine de l'institution Saint-Louis Gonzague, afin de procéder au tirage au sort, s'il vous plaît. Les deux capitaines, s'il vous plaît. Des applaudissements pour ce capitaine. Après tirage au sort, mesdames et messieurs, le collège Catherine Flon est équipe A, l'institution Saint-Louis de Gonzague, équipe B. Catherine Flon, équipe A, Saint-Louis de Gonzague, équipe B. Le décor est bien planté, tout est fin prêt. Déjà, merci à toutes les directions de la télévision nationale d'Haïti. Merci aux partenaires de Télégénie 2018. Je cite la World Vision, SurTab, Mode 31, l'ONA, Office National d'Assurance Vieillesse. Et là, je réclame de chaleureux applaudissements pour ses partenaires. Hein. Voilà, World Vision, ONA, SurTab et Mode 31. Et là, j'appelle les acteurs du jour, ou encore les présentateurs du jour. Jeff Lefebvre et Fabienne Viltus, ils sont plus que motivés. Question d'assurer la présentation de ce match. Saint-Louis de Gonzague, Collège Catherine Flon. Des applaudissements pour Jeff et pour Fabienne. Merci. Merci de nous retrouver à ce cinquième épisode de la saison 2018 de Télégénie. Et bonjour Fabienne, c'est un plaisir de te retrouver encore une fois. Nous partageons le podium pour vous présenter, cher public, amis téléspectateurs, ce match qui va opposer et à l'équipe du collège Catherine Flon. Mm-hmm. Équipe A. Ouais. Et puis l'équipe de Saint-Louis de Gonzague, équipe B. Donc Fabienne, on est prêt pour le match. Bien sûr, Jeff, on est prêt. Bonjour à toi et bonjour à vous, cher public. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et c'est parti, le match du jour. Collège Catherine Flon, équipe A, merci de nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Pendant qu'ils s'amènent, merci au public d'accueillir les joueurs du collège Catherine Flon. Et les joueurs de Saint-Louis de Gonzague vont faire de même. Tout le monde est là. C'est complet. C'est complet pour Saint-Louis de Gonzague, qui est à ma gauche, et Catherine Flon qui est à la droite de Fabienne. Droite, hein? Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ben, on va commencer aux présentations régulières avec l'équipe A. Hein? Et l'équipe A, ça veut dire que toutes les premières questions du match vont être adressées au collège Catherine Flon. Toutes les premières questions des catégories
vont être adressées au collège Catherine Flon et toutes les deuxièmes questions à l'école, à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Nous commençons toujours par les questions de sigle. Collège Catherine Flon, donnez la définition du sigle suivant, F-A-M-V. Les 10 secondes imparties sont écoulées. Est-ce que Saint-Louis de Gonzague voudrait essayer? Oui. Vas-y. Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. C'est la bonne réponse. 20 points. 20 points. Saint-Louis de Gonzague. Pour l'institution Saint-Louis de Gonzague qui vient de répondre à la question qui a été adressée au collège Catherine Flon. Et maintenant, votre question à vous, Saint-Louis de Gonzague. Donnez la définition du sigle suivant. E-N-G-A. École nationale de géologie appliquée. Monsieur, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. 40 points. Pour l'institution Saint-Louis de Gonzague. Et voilà, deuxième catégorie, nous sommes en sciences. Première question de science en mathématiques, trigonométrie pour vous, collège Catherine Flon. Donnez la valeur exacte de cos de cosinus 3π. A, moins 1, B, moins 3, C, 3. Donnez la valeur exacte de cosinus 3π. A, moins 1, B, moins 3, C, 3. Moins 1. Moins 1, c'est la bonne réponse. Cette question était comptée sur 30 points. Donc, 30 points pour Catherine Flon. Saint-Louis de Gonzague, donnez la valeur exacte de sinus moins 3π sur 4. Petit a, moins 3π. Sur 2. Moins 3 racine de pi sur 2. Petit b, moins racine de pi sur 2. Petit c, racine 2 sur 2. Je reprends. La valeur exacte de sinus moins 3 pi sur 4 est petit a, moins racine de pi sur 2. B, moins racine de pi sur 2. C, racine 2 sur 2. Petit C. Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. C'était B. C'était moins racine de pi sur 2. Voilà. C'était ça la réponse. On avance avec les sciences physiques. Comptez sur 30 points. Question qui va être adressée au collège Catherine Flon. Collège Catherine Flon, question pour vous. C'est une différence de potentiel électrique entre deux points qui provoque un déplacement des charges électriques. C'est une différence de potentiel entre deux points qui provoque un déplacement des charges électriques. De quoi parle-t-on? DDP. Comment? DDP. Non. La tension. C'est la bonne réponse. 4 points pour Catherine Flon. Question pour l'équipe B, Saint-Louis de Gonzague. C'est la quantité d'électricité ou de charge qui circule par seconde dans un circuit électrique. C'est la quantité d'électricité ou de charge qui circule par seconde dans un circuit électrique. De quoi parle-t-on? Le coulomb? Non. Non. L'ampère? Non plus. L'intensité? C'est l'intensité. Voilà. 30 points pour Saint-Louis de Gonzague. On laisse les sciences physiques à présent. Nous sommes en droit. Bien sûr. Est-ce que vous connaissez en droit? Est-ce que vous connaissez vos droits? Oui. Nous allons voir ça. Donc, vous connaissez aussi vos devoirs. Pour, oui. Il y a un juriste au collège Catherine Flon. On va voir. Et, collège Catherine Flon, question pour vous. C'est l'expression
d'un différend entre deux ou plusieurs parties qui a dû, par sa gravité, être soumis à une juridiction pour y être tranché. Je reprends. C'est l'expression d'un différend entre deux ou plusieurs parties qui a dû, par sa gravité, être soumis à une juridiction pour y être tranché. Le conflit? Non. Cohabitation? Non plus. Cohabitation? Malheureusement. Est-ce que l'institution Saint-Louis de Gonzague voudrait essayer? Non. On garde la réponse pour après. Maintenant, la question qui vous revient. C'est la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce qui se fait ou de l'obligation dont elle se prétend créancière. Je reprends. C'est la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce qui se fait ou de l'obligation dont elle se prétend créancière. Constat? Non. Preuve? C'est la preuve! 30 points pour Saint-Louis de Gonzague. Et la première réponse, c'était le litige. Le litige. On avance. Avec la catégorie actualité. Les questions d'actualité comptaient sur 60 points. Actualité nationale pour commencer. Collège Catherine Flon, selon un communiqué publié le 13 mars dernier, le ministère de la Défense a informé de la nomination des membres du haut état-major de l'armée d'Haïti. Donnez le nom du chef d'état-major général. Sadrak Saint-Il. Sadrak Saint-Il, c'était la bonne réponse. Question à vous à présent. Alors, Saint-Louis de Gonzague, suivant ce même communiqué, indiquez le nom de l'inspecteur général. Indiquez le nom de l'inspecteur général. L'inspecteur général des forces armées d'Haïti. Bien sûr. Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez une réponse? Jonas Jean. C'est Jonas Jean. C'est la bonne réponse. Alors, ça va être quoi? Ça va être 15 points peut-être. 15 points pour Collège Catherine Flon. Et on avance en actualité internationale. Question adressée à l'équipe A. Selon le tirage au sort, Catherine Flon a été désignée équipe A. L'ancien et très controversé président sud-africain qui a démissionné il y a un mois sous la pression de son parti sera jugé devant un tribunal dans une affaire de corruption vieille de près de 20 ans. De quel ancien président s'agit-il? Jacob Zuma. Jacob Zuma, c'est la bonne réponse. Institution Saint-Louis de Gonzague. Eh oui, on est là? On est prêt? Le président péruvien, menacé par une procédure de destitution, a été interrogé récemment par une commission parlementaire sur ses liens avec Odebrecht, géant brésilien du BTP impliqué dans un vaste scandale de corruption. Quel est son nom? Je reprends pour vous. Le président péruvien, menacé par une procédure de destitution, a été interrogé récemment par une commission parlementaire sur ses liens avec Odebrecht, géant brésilien du BTP impliqué dans un vaste scandale de corruption. Quel est son nom? Voilà, les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que Catherine Flon voudrait essayer? Oui, Pablo Kuczynski. Comment? Pablo Kuczynski. Pablo Kuczynski. C'est la bonne réponse. Merci au collège Catherine Flon. Et là, nous sommes en sport, mesdames et messieurs, sport. Question de sport pour le collège Catherine Flon. Donnez le nom, collège Catherine Flon, de l'actuel meilleur buteur du championnat haïtien de football professionnel.
Benji Estama. Benji Estama. C'est la bonne réponse. Fabienne, on est à l'institution Saint-Louis de Gonzague à présent. Hein? Bien sûr. Équipe B pour ce match. Dans quel club évolue l'attaquant haïtien Sandino Saint-Jean qui compte actuellement 4 réalisations dans le championnat haïtien de football professionnel? Dans quel club évolue l'attaquant haïtien Sandino Saint-Jean qui compte actuellement 4 réalisations dans le championnat haïtien de football professionnel? Tempête de Saint-Maur? Non. Fika? Non. Violette Athletic Club? Malheureusement. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. 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 Vous voulez connaître la réponse? C'était l'AS Mirbalet. L'AS Mirbalet. Voilà. Question d'histoire pour l'équipe A. Question comptée sur 50 points. Il était président d'Haïti avant d'être nommé empereur Faustin Souloup Ier ou encore Faustin Ier. Donnez la période pendant laquelle il a gouverné le pays en tant qu'empereur. 1849 à 1858. Non. 1849 à 1859. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Équipe B à présent. Et on continue. Saint-Louis de Gonzague, votre question d'histoire. Il était président de la République d'Haïti avant d'être président de l'île entière, l'île d'Haïti. Veuillez préciser la période pendant laquelle le président Jean-Pierre Boyer a gouverné l'île. 1822-1843. C'est la bonne réponse. D'accord. Question de géographie à présent pour l'équipe du collège Catherine Flon. On est en Haïti, donnez le nom des communes frontalières des départements de l'Ouest et du Nord. On est en Haïti, donnez le nom des communes frontalières des départements de l'Ouest et du Nord. Du Nord-Est, pour préciser. Ouais. Du Nord-Est. Du Nord et du Nord-Est. Donnez le nom des communes frontalières des départements. De l'Ouest et du Nord-Est. Oui. Il n'y a pas. Non. Il n'y a pas de commune entre l'Ouest et Nord-Est. Voilà. La réponse, est-ce que vous la l'avez? La question a bien été précisée par un autre joueur. On parle bien de commune frontalière. L'équipe B ne veut pas essayer. Non, l'équipe B ne veut pas essayer. On continue, on va vous donner la réponse après. On donne la réponse après. Donnez le nom des communes frontalières des départements du Centre et du Sud-Est. Donnez le nom des communes frontalières des départements du Centre et du Sud-Est. C'est très clair. Belader et Ansapitre. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, bien sûr. Belader et Ansapitre. Alors, pour votre réponse, c'était Gantier et Wanamet. Voilà. Ils se sont repris au cours de la question. C'est ici que l'on met fin à la première manche du match de ce jour qui oppose jusqu'à présent l'équipe du collège Catherine Flon à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Donc nous allons observer une pause à mes téléspectateurs et l'on va revenir avec la deuxième partie de cette rencontre. Restez sur la 8. Pour assurer sécurité ou pour faciliter les transactions au fait sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Pour lui assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Pour lui fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelque instrument qui interdit en banque. Pour lui remettre Zamou, nan tiroir qui l'a pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque qui passe l'ordre, aucun employé de la banque n'a pas le droit d'utiliser le téléphone dans le moment de service.
même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche ou rempli pour transaction. Personne n'a pas cherché qu'on ait information sur transaction en l'autre fait. En d'abord, yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler. Hello? Ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité yo, et pour faciliter la banque by pivot service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision Nationale d'Haïti. Fêtez ce moment nous tous très bien partager. Ce moment pour nous amuser. Responsable décision à prendre pendant la fête. Si vous boit, pas conduit. Si vous conduit, pas boit. On suspend mauvaise habitude ça y est, l'en a conduit. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Merci, merci, merci. Chers téléspectateurs, amis assistants, donc nous sommes de retour pour la deuxième partie du match opposant l'équipe du Collège Catherine Flon, équipe A, à l'institution Saint-Louis de Gonzague, équipe B, Fabienne. C'est la deuxième manche de la rencontre. Bien donc, sûr, et on va. Une assez intéressante jusqu'à présent. Hein? Bien sûr, assez intéressant. Et on va démarrer avec la catégorie capital et monnaie. Ouais. La première question doit être adressée à l'équipe A, le collège Catherine Flon. Question pour vous, messieurs. Quelles sont la capitale et la monnaie de l'Albanie? Albanie, Tirana, Lek. C'est les bonnes réponses. Albanie, c'était Tirana et Lek. Bien sûr, on continue avec l'équipe B. Quelles sont la capitale et la monnaie de l'Algérie? Quelles sont la capitale et la monnaie de l'Algérie? Alger, dinar algérien. Bien répondu, c'est Alger, la bonne réponse. Dinar algérien, bien sûr. Ouais. Eh ben, question d'invention. Ouais. Question d'invention à présent. Messieurs du collège Catherine Flon, par qui fut inventé le premier avion à moteur? Clément Ader. Comment? Clément Ader. Non. Joseph Cugnot. Non. Est-ce que vous voulez essayer? Est-ce que vous voulez essayer? Oui. Donnez-nous. Frank Whitehall. Comment? Frank Whitehall. Frank? Whitehall. Wright? Whitehall. Writer? Whitehall. Non, malheureusement. Et. Ce n'est pas la bonne réponse. On garde la réponse pour après. Bien sûr. Continuons avec la question B. Question pour vous, Saint-Louis de Gonzague. Par qui fut inventé le premier moteur diesel? Rudolf Diesel. Bonne Rudolf réponse. Rudolf Diesel, bien sûr. Bonne réponse. Alors, la première question, la première réponse à la première question, c'était Wright, les frères Wright. C'était les frères Wright. Ok. On peut parler d'Orville et de Wilbur. Les frères White. Agriculture à présent. Question comptée sur 50 points.
Nous sommes en agriculture, équipe A. À l'extrémité sud de la grande rue de Port-au-Prince se trouve une communauté soudée entourée de toutes sortes de boutiques, de carrossiers et de brocanteurs. Les sculpteurs de ce mouvement transforment les déchets d'une économie mal en point, vieilles radios, télévisions, enjoliveurs, morceaux de bois, en des œuvres radicales, rarement vues dans l'histoire des arts. Leurs œuvres communes, souvent monumentales, se déploient dans tout le quartier, transformant les ruelles qui débouchent sur ce boulevard chaotique en temple de l'art à ciel ouvert. Comment appelle-t-on le mouvement artistique en question? Je vais reprendre. À l'extrémité sud de la grande rue de Port-au-Prince se trouve une communauté soudée, entourée de toutes sortes de boutiques, de carrossiers et de brocanteurs. Les sculpteurs de ce mouvement transforment les déchets d'une économie mal en point, vieilles radios, télévisions, enjoliveurs, morceaux de bois, en des œuvres radicales, rarement vues dans l'histoire des arts. Leurs œuvres communes, souvent monumentales, se déploient dans tout le quartier, transformant les ruelles qui débouchent sur ce boulevard chaotique en temple de l'art à ciel ouvert. Comment appelle-t-on le mouvement en question? Le mouvement artistique en question. L'art de la rue? Non. La sculpture? Non. L'art du recyclage? Comment? L'art du recyclage? Non, malheureusement. C'est le nom du mouvement qu'on demandait. Est-ce que vous voulez essayer? On garde la réponse pour après. Question pour l'équipe B. Située à Croix des Bouquets, à l'entrée de la localité de Rémy, à environ 11 km de Port-au-Prince, ce village artistique est un bastion de fer découpé. Tous les jours, des dizaines d'artisans viennent y travailler le fer pour en faire des œuvres d'art. Ce petit village modeste représente la principale source économique des habitants. De quel village artistique s'agit-il? Je reprends pour vous. Situé à Croix des Bouquets, à l'entrée de la localité de Rémy, à environ 11 km de Port-au-Prince, ce village artistique est un bastion du fer découpé. Tous les jours, des dizaines d'artisans viennent y travailler le fer pour en faire des œuvres d'art. Ce petit village modeste représente la principale source économique des habitants. De quel village artistique s'agit-il? Le village de Noailles. Village de Noailles. C'est la bonne réponse. Bien sûr. Ouais. Et nous laissons, Fabienne, à présent, la catégorie agriculture pour la catégorie des technologies. Question toujours comptée sur 50 points. Équipe A, votre question est la suivante. C'est un ensemble de 8 éléments binaires traités comme un tout. De quoi parle-t-on? C'est un ensemble de 8 éléments. Octets. C'était la bonne réponse. Voilà. Voilà. Question Saint-Louis pour vous. Gonzague, c'est un défaut de conception ou de réalisation se manifestant par des anomalies de fonctionnement. De quoi s'agit-il? C'est un défaut de conception ou de réalisation se manifestant par des anomalies de fonctionnement. Un bug. C'est un bug. Un bug en français, un bug en anglais si vous voulez. Bonne réponse et 50 points pour Saint-Louis de Gonzague. Question individuelle à présent. Est-ce que vous êtes prêt pour la question individuelle? Changement s'il y a lieu. Du côté de Saint-Louis de Gonzague. Question philosophie pour l'équipe A. Vous allez identifier pour nous ce philosophe. Il est né à Stuttgart le 27 août 1770 dans une famille protestante. Son œuvre postérieure à celle de Kant est l'une des plus représentatives de l'idéalisme allemand et a eu une influence décisive sur l'ensemble de la philosophie contemporaine. Il enseigne la philosophie sous la forme d'un système unissant tous les savoirs suivant une logique dialectique. Le système est présenté comme une phénoménologie de l'esprit, puis comme une encyclopédie des sciences philosophiques. Titre de deux de ses ouvrages et englobe l'ensemble des domaines philosophiques dont la métaphysique, l'ontologie, la philosophie de l'art et de la religion, la philosophie de la nature, la philosophie de l'histoire, la philosophie morale et politique ou la philosophie du droit. De qui s'agit-il? Farid Hegel. C'est la bonne réponse. C'était Hegel. C'était Hegel.
Question de philosophie pour vous. Fondateur de l'existentialisme, ce philosophe voulait avant tout établir une ontologie, c'est-à-dire clarifier la question de l'être. Son approche subjective du concept le conduit à affirmer que l'être s'enracine dans le temps, c'est-à-dire la capacité humaine de se projeter soi-même. La suite de sa réflexion le mène à s'orienter de plus en plus vers la poésie, seul capable d'exprimer ses pensées aux frontières du langage qu'il cherche à saisir. Il est né le 26 septembre 1889 à Meschke et mort le 26 mai 1976 à Fribourg en Brisgau. De quel philosophe allemand est-il question? Je reprends. Voulez qu'on reprenne? Je reprends, bien sûr. Fondateur de l'existentialisme, ce philosophe voulait avant tout établir une ontologie, c'est-à-dire clarifier la question de l'être. Son approche subjective du concept le conduit à affirmer que l'être s'enracine dans le temps, c'est-à-dire la capacité humaine de se projeter soi-même. La suite de sa réflexion le mène à s'orienter de plus en plus vers la poésie, seul capable d'exprimer les pensées aux frontières du langage qu'il cherche à saisir. Il est né le 26 septembre 1889 à Meschke et mort le 26 mai 1976 à Fribourg en Brisgau. De quel philosophe allemand est-il question? Le temps est écoulé. Est-ce que l'équipe A veut essayer? Non. Pour 25 points. Ça vous dit pour 25 points. Vous ne voulez pas essayer. Oui, vous gagnez 25 points. Pour vous dire, c'est fait par Martin Heidegger. Comment? Martin Heidegger. Vous ne répondez pas? Non. Et vous avez dit quoi? Martin Heidegger. Vous ne répondez pas? Non. OK. C'était Martin Heidegger. Ouais. Ouais. C'était juste une question d'assurance. Voilà. Il faut être sûr. Vous ne voulez pas gagner 25 points. Vous n'avez pas besoin de 25 points. Il a rejeté les 25 points de par lui-même. Ouais. Et on alors, continue en cinéma. Nous sommes en cinéma. Question de cinéma. C'est la première femme noire à diriger un film avec un budget de plus de 100 millions de dollars américains. C'est un long métrage intitulé A Wrinkle in Time, un raccourci dans le temps, qui est l'adaptation du roman éponyme de Madeleine L'Engle, publié en 1962. Et c'est la deuxième fois que ce roman est adapté en long métrage, donné le nom de cette afro-américaine. Elle est la première femme noire à diriger un film avec un budget de plus de 100 millions de dollars. C'est un long métrage intitulé A Wrinkle in Time, un raccourci dans le temps, qui est l'adaptation du roman éponyme de Madeleine L'Engle, publié en 1962. Et c'est la deuxième fois que ce roman est adapté en long métrage, donné le nom de cette afro-américaine. Les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que vous voulez essayer, monsieur? Non. On garde la réponse pour après, Fabienne. Elle est née le 27 novembre 1951 à San Carlos, en Californie. Cette réalisatrice et scénariste américaine, elle est la première femme à recevoir un Oscar de la meilleure réalisation, et c'était en 2002, après ce thriller à suspense nommé K-19, The Widowmaker, K-19, Le piège des profondeurs, l'équivalent français. Le budget de ce film était de 100 millions de dollars US. Donnez le nom de cette femme. Je reprends bien pour vous. Elle est née le 27 novembre 1951 à San Carlos, en Californie. Cette réalisatrice et scénariste américaine. Elle est la première femme à recevoir un Oscar de la meilleure réalisation, et c'était en 2002, après ce thriller à suspense nommé K-19, The Widowmaker, K-19, Le piège des profondeurs. Le budget de ce film était de 100 millions de dollars US. Donnez le nom de cette femme. Whoopi Goldberg? Non. Est-ce que Catherine Flon voudrait essayer? Non. 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 Alors, la première réponse était Ava DuVernay.
Eva Duvernay. Et la deuxième, c'est bien, Catherine Bigelow. Yeah. OK. On continue en proverbe. Proverbe créole pour équipe A, Catherine Flon. Qui est-ce qui a répondu? Chez Jean Gardy. Jean Gardy? Oui. OK. Ou bien créole rec, sous vous? Ou bien créole rec? Non. Si Jean Gardy, si chien raconte ou ap complété proverbe ça pour nous, si chien raconte ou ça li wè, reprenez-vous, s'il vous plaît. Si chien raconte ou ça li wè, ou pas ka vivre encore? Non. Est-ce que vous voulez essayer? Non. On a dit tout à l'heure. Eh bien, on a continué. Public, la grande réponse. Hein? On continue. Eh bien, proverbe pour Saint-Louis de Gonzague. Complétez proverbe ça. Nous sommes toujours dans la série pour compléter. Chat qu'on est, rat qu'on est. Barik Mantegla était là. Barik? Barik Mantegla était là. Non. Barik Maya était là. Bon, on a une réponse. Ouais. On va les créoles là, bien. Alors, pour vous, c'était si chien raconte au saliwe ou pape Jean marcher la nuit. Le public connaît ça la réponse. Oui, oui. Le public l'en fort, hein. Voilà. Œuvre auteur à présent. Qu'est-ce qui va répondre pour Catherine Flon? Édouard Ricardo. Édouard Ricardo. De qui est le roman suivant? L'amour avant que j'oublie. Pardon? L'amour avant que j'oublie, c'est le roman de qui? Daniela Ferrière. Non. Gary Victor. Non plus. Yannick Lyons. Malheureusement. Laissez. Non. On va voir, on garde la réponse pour après. Végétation de clarté. C'est un recueil de poésie préfacé par Aimé Césaire. Voilà. Le temps est écoulé. Non. Ok, vous ne voulez pas essayer. Il a dit non, tout simplement. Vous voulez qu'on vous donne la réponse? Alors, c'était facile. L'amour avant que j'oublie est une œuvre de Lionel Trouillot. Et Végétation de clarté, c'est bien René Depestre qui en est l'auteur. Ouais. Calcul mental à présent. Calcul mental. On va le compter. Vous connaissez en maths? Qu'est-ce qui va répondre pour Catherine Flon? Jean-Baptiste Ben-Nahel. Jean-Baptiste Ben-Nahel. Ben-Nahel, ok. Calcul mental pour toi. Un bijoutier me vend une montre. En me faisant une réduction de 5% sur le prix fort qui est de 320 gourdes. Combien me coûte cette montre? Je reprends. Un bijoutier me vend une montre en me faisant une réduction de 5% sur le prix fort qui est de 320 gourdes. Combien me coûte cette montre? Non. J'allais dire 276. Non, malheureusement. Est-ce qu'on... Non, non. On n'essaie pas, pas avec les calculs mentaux. Les calculs mentaux, on n'essaie pas avec. OK? Non, parce que... Il n'y a pas de réplique. Il n'y a pas de réplique dans les calculs mentaux. À l'autre de répondre. C'est comme ça. C'est pas équilibré. Alors, question pour vous. Vous êtes prêts? Et le nom, c'est? Myrtille Mark-Hans. Myrtille. Un cycliste grimpe une côte de 2,7 km de long dont la pente est de 11%. Il s'est élevé d'une hauteur égale à... Un cycliste grimpe une côte de 2,7 km de long dont la pente est de 11%. Il est élevé d'une hauteur égale à... 0,275 km ou 275 mètres. Non. Non. Oh. 2, non. 775. Non, malheureusement. Le temps est parti, est déjà écoulé. On va vous donner.
On va, est-ce qu'on veut... Non, il n'y a pas de réplique. Donc on va donner les réponses rapidement pour la première question. Alors je vais vous relire le libellé de la première question. Un bijoutier public, s'il vous plaît. Un bijoutier me vend une montre et me fait, en me faisant une réduction de 5% sur le prix fort qui est de 320 gourdes. Combien me coûte cette montre? La réponse était 304 gourdes. Faites le calcul, vous allez voir. C'est 304 gourdes. Alors, pour la deuxième réponse, un cycliste grimpe une côte de 2,7 km de long, dont la pente est de 11%. Il s'est élevé d'une hauteur égale à 297 mètres. Donc voilà, c'était ça, les réponses pour les questions de calcul mental. Question éclair à présent. Question éclair pour Collège 4 du Flon. Rapidement. Collège public, s'il vous plaît. Question éclair. Des papillons verts et rouges. Quelle est l'orthographe de vert et rouge? Des papillons verts et rouges. Quelle est l'orthographe de vert et rouge? V-E-R-T, trait d'union R-O-U-G-E. C'est la bonne réponse. 10 points, 10 points pour Catherine Flon. 10 points pour Catherine Flon. Question pour vous, Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague, la victoire de Grant à Vicksburg est considérée comme un chef-d'œuvre de l'histoire militaire américaine. Comment écrit-on ici le mot chef-d'œuvre? La victoire de Grant à Vicksburg est considérée comme un chef-d'œuvre de l'histoire militaire américaine. Comment écrit-on le mot chef-d'œuvre? C-H-E-F, espace, D-apostrophe, O-E dans l'eau, U-V-R-E. Malheureusement, ce n'est pas la bonne épellation. Donc, pour reprendre. Vous avez omis le S dans chef-d'œuvre. Question Harris, dans cette catégorie-là, si vous répondez bien, vous gagnez 60 points. Si vous ne répondez pas bien, vous perdez 60 points. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la catégorie des questions à risque. La première question va être adressée à l'équipe A. Vous allez identifier cette ville pour nous, Collège Catherine Flon. C'est l'une des capitales européennes. L'aire urbaine qui rassemble plus de 2 300 000 résidents fait elle-même partie d'une conurbation qui compte 7 100 000 habitants. Cette capitale est l'un des centres économiques majeurs du pays en question. C'est l'un des principaux centres financiers d'Europe. Elle est également la capitale culturelle du pays, comme en témoigne la renommée de ses principaux musées concentrés autour du Museum Plein, le musée de l'État. Le Stedelijk Museum sont parmi les plus visités au monde. Précisez le nom de cette ville. C'est l'une des capitales européennes. L'aire urbaine qui rassemble plus de 2 300 000 résidents fait elle-même partie d'une conurbation qui compte 7 100 000 habitants. Cette capitale est l'un des centres économiques majeurs du pays en question et l'un des principaux centres financiers d'Europe. Elle est également la capitale culturelle du pays, comme en témoigne la renommée de ses principaux musées concentrés autour du Museum Plein, le musée d'État et le Stedelijk Museum sont parmi les plus visités au monde. Précisez le nom de la ville. Voilà, les 10 secondes sont écoulées. On ne réplique pas. Ok. On passe à la dernière, la toute dernière question. Des questions à risque. Et cette question va être adressée, téléspectateurs, cher public, à l'équipe de l'institution Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague, littéralement capitale de l'Est, ancienne Edo, elle est la plus grande ville du pays en question, avec plus de 13 622 267 habitants, 267 habitants en 2016 et 42 794 714 dans l'agglomération et forme l'aire urbaine la plus peuplée au monde.
principal centre politique de l'archipel depuis le XVIIe siècle, la ville accueille la plupart des institutions du pays, la résidence du Premier ministre, le siège de la Diète, du cabinet, les ministères qui le constituent, ainsi que toutes les ambassades étrangères. À l'origine, c'était un petit village de pêcheurs nommé Edo, l'estuaire, fortifié au XVe siècle. Cette ville est ravagée en 1923 par un séisme de magnitude 7.9. Quel est le nom de cette ville? Je reprends bien pour vous. Littéralement, capitale de l'Est, anciennement Edo, elle est la plus grande ville du pays en question. Avec plus de 13 622 267 habitants en 2016 et 42 794 714 dans l'agglomération, et forme l'aire urbaine la plus peuplée au monde. Principal centre politique de l'archipel depuis le XVIIe siècle, la ville accueille la plupart des institutions du pays, comme la résidence du Premier ministre, le siège de la Diète, du cabinet, les ministères qui le constituent, ainsi que toutes les ambassades étrangères. À l'origine, c'était un petit village de pêcheurs nommé Edo, ou encore l'estuaire, fortifié au XVe siècle. Cette ville est ravagée par un séisme de magnitude 7.9 en 1923. Précisez le nom de cette ville. Tokyo. 60 points pour Saint-Louis de Gonzague. C'est Tokyo. Eh bien, Fabienne, c'est... La première réponse, c'était bien? C'était Amsterdam. Amsterdam. On s'en souvient. Voilà. Ben c'est sur cette note que l'on va devoir mettre fin à la rencontre du jour. Hein? Mais avant de partir, on va bien sûr donner les scores. Non. Restez branchés. Cassandra, Julia, Jessica, ces trois jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, Sayo, gagnent habitude, marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chat avec amis, sans pas avoir aucune attention avec monde qui dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de jambes penser un jour, avec mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie ou? L'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti à Zoom Entertainment. Côté ça qui est-ce qui gagne? Côté ça qui est-ce qui gagne? Eh bien, on va voir le verdict de la Fabienne. Donc, on est arrivé au bout du tunnel après les délibérations des membres du jury. Donc, on est parvenu à ce résultat qui donne vainqueur. Équipe A ou équipe B? Le score. C'était un match assez serré, hein? Assez serré. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'est le moment de vérité. Vous venez d'assister à un beau match entre Saint-Louis de Gonzague et Catherine Flon, Collège Catherine Flon. Et c'est le temps des résultats. Vous allez connaître le score final du match d'aujourd'hui. Et Fabienne, nous commençons avec l'équipe A. Hein? À tout seigneur, tout honneur, équipe A. Le résultat pour l'équipe A. C'est bien. 380. Ouais. On fait du bruit pour Catherine Flon, non? Et l'équipe B. Qui est bien l'institution Saint-Louis de Gonzague. Sur l'ensemble du match. Les joueurs ont totalisé 490 points. Saint-Louis de Gonzague, c'est bien l'équipe gagnante du cinquième match de la saison 2018 de Télégénie. Donc, nous venons
d'assister à un match intéressant entre ces deux équipes. Donc Saint-Louis Gonzague vient de remporter cette rencontre sur le score de 490 à 380. 80. Et à présent, chers téléspectateurs, c'est le moment des salutations d'usage. Merci d'aller saluer vos camarades. Merci. Salutations, fair play. Fair play, Fabienne. Donc voilà. Ça a été une belle rencontre. Merci. À votre prochaine rencontre. Merci, messieurs. Vous avez fait du bon travail. Bon travail. Les deux équipes étaient au masculin aujourd'hui. Je l'ai remarqué maintenant. Merci. Voilà. Fabienne, on est arrivé au bout du tunnel. Donc, merci à tous nos téléspectateurs, à toutes nos téléspectatrices, vous qui nous avez suivis jusque-là. Donc, on va se donner rendez-vous pour le prochain match. Bien sûr. Et on rappelle aux téléspectateurs qu'on avait reçu pour ce match l'institution Saint-Louis-Gonzague et le collège Catherine Flon. Allez, restez sur la 8.